Et bonjour à toutes et à tous, ici Mkolo, comment allez-vous? Et bien moi ça va super bien, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série The Sky of Death. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je pense que ça s'entend à ma voix. Je tourne cet épisode à la suite du dernier. Alors certes ça fait un peu bizarre de m'entendre comme ça, étant donné que au dernier épisode j'étais pas non plus exceptionnellement en forme. Et bien ça s'explique parce que je viens de boire une petite canette d'énergie, donc tout va mieux. Donc c'est parti, donc on était là, non alors déjà premièrement on va se calmer direct. Attendez, j'ai pas de son. Ah c'est bon, je n'ai rien dit, j'ai du son, allez. Je disais on s'était quitté alors qu'on était dans la mine et on voulait chercher du diamant pour pouvoir prendre je suis tellement en forme que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ouais, pour aller dans le Nether et prendre la glowstone et pouvoir aller dans l'Izer. Voilà, j'ai réussi à formuler ma phrase. Il y a un squelette là-bas. Je t'avoue que j'aime pas trop l'idée. Alors, il y a un truc qui me stresse. Vu qu'on est en 6-4, il n'y a pas la touche de sprint automatique. Et donc, du coup, ça me stresse. Ok, c'est pas grave. Je sais pas d'où il est venu lui. Ça me fait un peu peur. Je suis pas très serein d'un seul coup là. Du coup là je me suis calmé. Ça me saoule, on est à la hauteur 60 quoi. Ah ouais d'accord, il vient de là lui, ah, le petit coquin. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Ok, alors là. Ah d'accord. Ok, super. Ok, oh, j'entends un Enderman. J'entends un Enderman, bon tant pis, on va devoir enchaîner du minage au petit. Parce que, on n'a pas le choix. D'ailleurs, j'entends un Enderman, comme je viens de le dire. Donc ce serait cool. Oh oui! Ah non, mais on retombe exactement sur la même mine qu'avant, quoi. C'est du gros fail. 100% fail. Alors, il y a bien une zone que j'ai pas explorée, non? What is the fuck? Putain, mais alors il fait nuit alors. Dites-moi qu'il fait nuit alors. Ouais, c'est peut-être parce qu'il fait nuit et que les monstres sont dehors, ça doit être ça. Bon, on va faire du minage au petit ici, comme ça on est un petit peu plus bas. On va le faire en accéléré, hein. Parce que si on le fait pas en accéléré, je vais perdre mon punch. Non, non, attendez, je les entends de plus en plus. Non, je les entends de moins en moins finalement. Bon, on se retrouve à la couche 12, à tout de suite. Lol, alors je viens de remarquer un truc, regardez sur la mini-carte, il m'indique que je suis à la couche 22, or je suis à la couche 23, 21 pardon, donc faut pas se fier à la mini-carte. Bref, allez à tout de suite. J'entends de la lave. J'entends de la lave. Ça veut tout dire. Ah, là je suis super content, donc là, on arrive à la couche 12. Voilà, on est à la couche 12, donc j'entends de la lave. Donc c'est... Voilà, hop. Ok, j'ai cru que ça me tombait dessus. Parfait. Alors, où est le diamant? C'est le mec. Oh oui. Là, il y en a, là. Il y a de l'obsidienne, là-bas, déjà. Alors, j'ai pas de seau d'eau. Très intelligent de ma part, d'ailleurs. C'est très intelligent de ma part. Putain, fait chier. Oh non, mais sérieusement. J'ai tout. Bon, à part peut-être un stuff. Sauf un seau. Bon, on va faire ça très simple. La table de craft, hop. Le four, hop. Voilà, on va tout poser. Tac, tac. Le charbon, hop, hop. On divise. Et hop, hop. Et puis avec ça, on va se faire un petit peu plus de bois. De torches. Voilà, bon. Ça se passe plutôt pas mal, hein. On attend juste que tout chauffe et puis voilà. Si on trouve du diamant, j'allais dire n'hésitez pas à me le dire, mais je suis con. C'est pas grave. Ah là il y a de l'eau, ça c'est cool. On va pouvoir. Alors là on va monter juste un petit peu voir ce qu'il y a. Ça peut être une bonne idée. Oh oui parce que là ça redescend. Alors il y a de l'or, il y a des monstres. Allez salut. Non je reviendrai plus tard. Attendez là il y a encore du fer. On va prendre masse de fer hein, parce que. Quand on va être dans l'Izer, je suis pas sûr qu'on reviendra souvent dans le monde normal. Évidemment, il faudra qu'on revienne, mais je suis pas sûr qu'on reviendra souvent.
Donc, faut vraiment prendre masse de fer. Ouais, bon, là, c'est nul, ça pue. Ouais. Donc, on redescend. On va prendre le lapis. Parce que pour les enchantements. Ah, bah non, 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 on est en 6-4. C'est génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lapis. Je crois. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis de la merde. Hop. Vas-y, ramène-moi tout ça. Non, mais oh. Bon, alors, hop, merci. On va se faire plaisir. Ah, c'est tellement pratique de diviser en deux. Alors, déjà, donc, on va se faire un petit saut. On va se faire ceci. On va se faire cela. Et attendez, on va juste se faire des petites bottes. Hop, hop. Super. Voilà, là, on est full fer. D'ailleurs, tiens, hop. Où est le saut? Il est là, il est là. Allez, c'est parti. On va prendre l'eau. Attention. Ok, ça c'était nul. C'est bon, on a l'eau. On va aller loin, moi je vous dis. Bon, tu peux poser une torche, merci beaucoup. Là, je monte en attendant, vous inquiétez pas, c'est juste. Ok, le zombie m'a fait peur. C'est juste histoire de prendre le fer qu'on voit sur le passage. Hein. Évidemment, je reviendrai. Je reviendrai plus tard. Alors, par contre, là. Ah, d'accord. Ok, alors on va prendre la redstone. Pourquoi, je sais pas. Parce que ça servira peut-être. J'ai eu le réflexe de. J'ai toujours le réflexe de sortir mon épée quand j'entends un mob. Moi, ça me fait peur. Alors là, je. Là, je suis un peu stressé. Parce qu'à tout moment, il y en a un qui peut me sauter dessus. Et me prendre en gangbang. Ce qui me plaît pas trop. Bon, là, je pense que. On a que 14 fer. Ah oui, non, mais il y en a qui chauffent. Oui. Excusez-moi. J'ai commencé à flipper. Bon, là, je suis en train de terminer ma pioche en fer. Il n'y a aucun problème. On va peut-être terminer avec le lapis. Voilà. Ok, alors. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller retourner là. Voilà, merci. Hop. Alors, là, j'ai peur. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait pas de diamant. C'est surtout ça. Parce que là, enfin, je veux dire, on est, bon, on est même à la hauteur 11. Là-bas, il y a de l'eau et de la lave et de l'obsidienne. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de diamant. On a tous les minerais du monde, sauf du diamant. Ce serait pas vraiment possible. Donc, je pense, enfin, j'espère qu'il y a du diamant. C'est donc pour ça que j'ai peur. Putain, je sens qu'il va pas y en avoir. Oh non, je vais rager. Oh non, je vais vraiment rager là. Oh oui, c'est bon. Oh oui. Po, po, la, po, po, po. Ok, on va se calmer tout de suite, je suis taré. Ah. Oh, il se fait bien garder déjà. Alors là, par contre, à Suzo. Oh. Ok. Je suis trop faible. Ok, alors soit il vient. Bon, de toute façon, un coup, t'es mort. Voilà. Ok, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever cette putain de source de merde. Voilà, parfait. Alors, il y a comme. Oh, je crois qu'il y a un bon petit filon là. Un bon petit filon. 1, 2, 3. Attention. 4. Oh, généreux, hein. Comme Jean-Marc. Jean-Marc généreux. Po, po, po. Ok. 5, très bien. Super. 5. Ok, pas de problème. Super. 5. 5, ça nous suffit pour faire la pioche et une épée ou une table d'enchant. Et je préférais la table d'enchant. Et on a de la. Ah bah oui, on a du cuir et de la canne à sucre. Oh là 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 là. Si c'est pas beau tout ça. Si c'est pas beau, j'ai envie de vous dire. Bon bah c'est bon, hein, on va pouvoir aller dans le laser, hein, ça c'est sûr. Je suis full, donc le champignon, tu dégages. Voilà, premièrement. Voilà. Ah, franchement, ça fait vraiment super plaisir de. Bon, en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment cool, hein. Déjà, le deuxième épisode direct du diamant. C'est vrai qu'on devrait jouer à Minecraft comme ça plus souvent. Enfin, je parle pour moi parce que peut-être que vous faites comme ça vous, mais faudrait faire ça plus souvent sur Minecraft. Rusher direct le diamant au lieu de d'essayer de chercher une base, un village ou quoi. C'est vrai que je suis un peu débile et même pour le monde de Mkolo, j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Alors, une table de. Ah ouais, d'accord, non mais en fait tout est là-bas, donc c'est super. C'est super. Alors le. Ok. Le fer. Vas-y, continue de faire chauffer ça.
Alors, on va se faire une pioche, donc du coup en diamant. C'est plutôt cool. On va, tant qu'on y est, hein, faire. Toi, tu dégages. Où est. Ok, donc j'ai un cuir, donc j'ai du cul. On peut le dire, j'ai eu du cul. Donc, du coup, il faut juste qu'on récupère de l'obsidienne de toute façon. Donc, le moment le plus chiant pour moi, puisque vous allez l'avoir en accéléré. Allez, à tout de suite! Oh putain, le stress total. Showtime. Allez, tu peux le faire. Oui, ça y est, c'est bon. Re tout le monde, nous avons 14 obsidiennes, donc 10 pour le portail et les 4 pour la table de d'enchantement qu'on va faire maintenant. Donc hop. Ok, j'ai cru qu'en fait fallait mettre un diamant là et deux livres là, j'aurais eu l'air con. Parfait, on va pouvoir s'enchanter. Ça c'est cool. On n'a pas de flint, donc on va directement se faire ça maintenant, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on perde du temps plus tard. Hop, voilà, parfait. Ça fait combien de temps que ça filme? J'ai pas regardé. Ok, ça va, tranquille. On a le temps. Alors, le briquet. Ah oui, alors d'accord. Voilà, le briquet. Parfait, on est bon. On va pouvoir tout récup. Et partir vers l'infini et au-delà. Alors par contre, vu que je suis full, voilà. Alors, l'épée... Hein, tu dégages, hein, premièrement. Hop. Ok, donc par contre, pour les fours, dégage ça. Hein. Et puis voilà, c'est bon, on peut partir. Donc c'est plutôt cool. Hein, on a direct. Voilà, direct, on a ce qu'il faut, direct. Maintenant, il faut juste retrouver la sortie. Ah non, maintenant, on vient de là, nous. Voilà. Donc c'est parti. Il n'y a plus qu'à sortir de ce trou. De ce trou à rien. Et d'aller dans le Nether. Mais avant d'aller dans le Nether, j'ai envie de trouver un endroit. Disons, pas non plus si loin, mais un endroit pour se caler, tu vois, pour mettre le portail, pour mettre nos coffres et tout, pour faire une base au moins. J'ai pas trop envie de le faire dans une mine. Voyez, à la limite, faire une base souterraine, ok, mais pas dans une mine comme ça. Tu vois, moi ça me plaît pas trop. Donc j'aimerais bien trouver un village ou une connerie comme ça. Et puis ça peut être plutôt pas mal. Est-ce que c'est par là la sortie? Non, bah c'est pas grave. Où est la sortie, sérieusement? Non, attendez, c'est pas possible. Ah, elle est là la sortie. Bon, cours un peu s'il te plaît. Bah non, n'importe quoi, c'est de la convien. Oh. Alors là, je comprends plus rien du tout là. Mais non, attendez, je comprends plus rien. Pourrait-on m'aider? Ah voilà, c'est là, ok. J'ai eu les boules. Il faut avouer que j'ai eu les boules. Ouais, là, voilà. Voilà, hein. Mon sens de l'orientation. Eh bien, il n'existe pas. Alors, si c'est possible. Bonjour le poulet. Est-ce que j'ai récup tes plumes et ta bouffe? Alors la bouffe, oui. Et les plumes. Où sont les plumes? Elles sont là, parfait, parce que bah, pour se faire des flèches, ça pourra toujours être bénéfique. Il fait jour, c'est cool, où est le soleil? Le soleil se lève, donc ça c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. J'ai pas tué le chauve-souris, j'avais complètement oublié que j'avais morph. Donc c'est dommage, parce que, bah vous savez, hein, chauve-souris ou... Merde! Je vais brûler! C'est bon. Une chauve-souris, bah ça vole. Et donc, si j'aurais tué une chauve-souris, bah je pourrais voler. Ce qui est totalement cheaté, mais bon... C'est pas grave. Donc on va aller par où? Là je sais pas du tout où ça mène. Ouais, j'ai pas envie d'aller dans le biome neige, donc on va aller par là-bas. On va tuer des vaches. Hello. Voilà, on va tuer des vaches. Surtout donc pour la bouffe, mais surtout également pour le cuir, hein, pour pouvoir se faire des bibliothèques. J'espère que dans le laser. Parfait.
Ah ouais d'accord, mais si je suis full, je peux pas trop récup en fait. À la limite, la chair putréfiée, on s'en fout, j'avais dit de la garder, mais non, mais au pire, ça sert à rien de toute façon. Ouais, j'espère que dans Lizer, on peut faire les trucs qu'on peut faire dans le monde normal, hein, c'est-à-dire genre... faire des plantations du monde normal dans Lizer, j'espère qu'on peut faire ça. Bah sinon, tant pis, mais voilà, j'aimerais bien. Bonjour le zombie, t'as cru que t'allais me tuer? Sauf que tu meurs avant, tu vois, t'as même pas le temps de m'atteindre. Bref. Hop. Récupère un petit peu de bouffe. Alors, par où on va aller? Oh là là. On va aller par là-bas, ça me semble être pas mal. Ça a l'air d'être une plaine. Ah, mais je crois que c'est de la convient, non? Un peu. Non. Non, c'est pas de la convient. Non, c'est pas de la convient, mais. Si, c'est de la convient. Oh oui! Non, c'est pas de la convient. Super, un village, ok. Nickel. Oh, et puis, là-bas, bon, on le voit pas très bien à cause des. À cause du brouillard, mais il y a un biome jungle là-bas, ça c'est cool. D'ailleurs, pourquoi j'ai nouveau le brouillard alors que je l'avais désactivé? Oh, je sais pas. Super, en fait, c'est un village de merde. C'est le plus petit village du monde. L'avantage, c'est qu'il y a des villageois. Je sais pas où ils sont. Je les entends, mais. Ah. Bonjour. Ah non, c'est pas un petit. Ah non, c'est bon. J'ai un dit, il y a un coffre. Ah non, il est pas si. Voici, oh, il est quand même petit. Oh, t'es sympa, toi. C'est de la merde, mais c'est sympa quand même. D'accord. Vous êtes vraiment nul. Ah oui, non, le village il continue, d'accord. Donc là, il y a des fours. Et dans ce coffre, attention. Alors, on a de l'obsidienne. Ça, c'est. Voilà, c'est toujours bien. D'accord, je suis transformé en zombie. Les villageois n'ont pas eu peur de moi. Les pousses. Alors, est-ce que ça pousse dans le laser? Je sais pas. J'aimerais bien savoir. Et donc, pour le coup, on va en garder. On va garder la terre aussi pour le laser. Qu'est-ce qu'on peut virer? Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut virer? On peut virer la gunpowder. Attendez, j'avais pas un backpack. C'est quoi ça? Merde. Oh merde. Accessory. Je comprends pas, c'est quoi ça? Je sais pas, je pensais que j'avais un backpack comme le mode, mais apparemment non. Donc le fer, tu viens. J'aimerais bien avoir. Enfin, garder ça au cas où ça peut toujours être. Non, au pire, on laisse ça, y a pas. Y a pas besoin en fait. Ouais, au pire, on s'en fout de ce coffre. Au pire, si j'ai fait une connerie, on reviendra. Et donc on va s'installer là alors. Tranquillou, on va s'installer là. Ah oh ouais. Juste à côté du biome jungle et tout. Tranquille, posé. Ah oh ouais. Oh c'est génial. On va se poser là les amis. On va mettre... on va... Oh. D'abord j'ai toujours le chic de faire ça mais on va se faire une... On va s'installer dans une maison. En l'occurrence on va s'installer dans celle-ci. Pour le coup ça peut être pas mal. Tu dégages. On va modifier la base à notre sauce. Ah hein. Oh ouais, ça va être tellement bien. On va se sentir tellement cool. Puis comme ça, on a toujours ce coffre avec nous. Et puis comme ça, on perd rien au final. Alors on va enlever ça. Je sais pas à quoi ça sert. À part user de la cobble. Super. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Super. Et là, ça va être super. Franchement. Ça va être une petite base là, tranquillou. Ah, j'adore, super. Bon, ça fait une base à l'arrache un peu, hein, c'est pas. Voilà, ouais, alors ça par contre. Tu m'excuses, mais j'apprécie pas trop. Hop. Super, on va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode, hein, j'ai envie de vous dire. Attendez, déjà, on va virer ça. J'ai cru que c'était une autre maison, mais non, c'est la même, donc. On va virer ça. Ah, oh, ouais, on a une petite base tranquillou. Oh, c'est génial. Franchement, c'est super. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, tu dégages, tu dégages. On enlève tout ça. Parce que j'aime pas. Le coffre, hop. Hop. Alors j'aimerais bien récupérer le coffre. Merde! Oh putain, évidemment il fallait que je le jette. Oh là, j'en ai marre. Voilà, c'est bon là. Tu vas là. Et on met tout à l'intérieur. Hop, 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 hop. On récupère juste tout ça. Parce qu'après ça va me stresser. Il y avait quoi? Il y avait tout ça. Voilà, le champignon, tu dégages. Voilà, allez, on met tout. À part ça, évidemment. À part les fours aussi. Les fours qu'on va mettre là. Comme ceci. La table de craft, elle est... Ouais, je l'ai rangée là. Ah ouais, c'est pratique, on peut ranger notre... Ah oui, ça c'est cool. Ça, j'avais complètement oublié. Qu'on peut ranger notre inventaire easy. Voilà, on va laisser tout ça là.
Toi tu restes là et on va te mettre là. On va faire un grand coffre. Parce que je vois que ça rentre plus, donc c'est triste. Il faut que tout rentre. Allez. Voilà, super. Voilà. On va récupérer des trucs plus intéressants juste après, hein, y a pas de problème. Voilà. Alors, on va faire chauffer ça, évidemment, le charbon. Il est là. On va le mettre là. Super. Et le fer, on va le laisser là. On est full fer. On va se faire des petits enchants avant de se quitter. Attends, viens là, toi, tu me stresses. Attendez, on va juste se faire une porte, vite fait. Parce que ça va me stresser d'être à l'air libre. Ah, ça fait du bien de oh, putain. De retrouver la 6-4, là, avec les anciens crafts et tout. Enfin, c'est toujours le même craft pour les portes, mais c'est un peu plus différent. Alors, qu'est-ce que je fais? Attendez, par contre, c'est bon, il n'y a plus d'eau. Parfait, allez, on est parti pour les enchantes. Alors, what? Ah merde, oui, d'accord. On commence par ça. Oh là là, putain, ça commence super. Protection, protection. Non, ça me plaît pas. Les anciens enchantes, ils étaient bien quand même. Bon, là, unbreaking à la con. Oh, ça me saoulait, ça y est. Protection. Alors là, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon, il y a juste les jambières. Mais vu qu'on a pas mal de fer... Ah mais attendez, mais vu qu'on a encore c'était quoi qui était pas bon? C'était ça, ouais. Là. Putain. Bon, tant pis. C'est déjà ça. Bon, l'épée aussi, je suis un peu deg. On peut s'en refaire une. En espérant cette fois-ci qu'il y a les sharpness, hein. S'il vous plaît. Allez. Putain, mais t'es sérieux? C'est si pourri que ça? Non, mais attendez, mais c'est pas possible. Je... Eh, hey, d'habitude j'ai de la chance avec les enchantes, alors ne me dis pas que l'1-6-4 me porte malheur. Ah bah putain, quoi. Bon, c'est pas trop tôt. On va, pour terminer cet épisode, tiens, on va mettre notre portail du Nether là. Ouais, là il est pas mal. Juste le lit qui est pas très bien là où il est. Bonjour, toi, tu t'es cru chez mémé ou ça se passe comment? Alors, voilà. Ah merde. Et voilà. On a notre portail du Nether. Lui, il échange de la merde. Et lui aussi, donc vous pouvez aller dans les ténèbres si vous en avez envie. Et vous avez pas envie, tant pis. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce vert. Ça me fera super plaisir. Je vais tourner l'épisode 3 à la suite, encore une fois. Et puis après, je ferai une pause pour lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner des astuces au niveau de l'Izer si vous connaissez un petit peu ce nouveau monde. Et n'hésitez pas également à me dire si vous connaissez comment... configurer les modes, notamment morph. C'est à dire que si je bute par exemple un villageois, regardez, voilà, je me transforme en villageois et c'est chiant, ça m'énerve. Donc y a-t-il moyen de tuer un mob sans forcément se transformer en lui-même? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis ciao tout le monde.